Jean Savocat, je suis maître bâtisseur chez Tralux. Je suis affecté sur le chantier de Jean Monnet, un bâtiment qui est destiné à la Communauté européenne. Je m'appelle Bulent Tazdelen, je suis actuellement conducteur de travaux junior sur l'opération Jean Monnet 2 à Kirchberg au Luxembourg. Une opération sur laquelle je suis depuis 6 mois, qui fait suite à mon projet de fin d'études sur ce chantier. On a un chantier qui fait 200 mètres de long par 80 à 85 mètres de large. On est en dalle pleine sur la totalité qui représente à peu près 15 à 16 000 mètres carrés par niveau et en superstructure, 5 bâtiments qui vont être rejoints par des passerelles panoramiques. Le chantier donc est sur 4 niveaux de sous-sol et 7 niveaux en superstructure. On a plus ou moins 140 000 mètres carrés de plancher à construire, 11 000 tonnes d'armature, 70 000 mètres cubes de béton. On va être sur le chantier à peu près 200 personnes. On dépasse largement les 1 000 mètres carrés de coffrage sur chantier. On a choisi de travailler avec Sateco sur du coffrage. Tous nos poteaux actuellement sur le chantier sont coulés en place. On a plus de 300 poteaux par niveau. On a choisi les coffrages Sateco, tout type de coffrage, de 1,50 m, 1 m jusqu'à 7 m de haut. On a à peu près 1000 m² de coffrage du même type sur ce chantier. Un peu plus que 100 banches de 2,40 m par 2,80 m. On est équipé aussi en banches de 1,20 m par 2,80 m pour isoler nos poteaux. On en a à peu près une soixantaine sur le chantier. 3-4 000 m de poutres qui sont aussi réalisés en grande partie avec du coffrage Sateco type sous-hausse d'1,50 m. Ou sous hausse d'un mètre avec rehausse. Donc pour atteindre un maximum de 2 mètres 50 de haut en poutre. On peut voir sur ce site, rien qu'en superstructure côté façade, nous avons à peu près 2000 poteaux qui vont de 3 mètres à 8 mètres de hauteur. On a utilisé pour tout ce qui est voile extérieure et voile enterrée, la P3D réduite. Sur le marché, je pense qu'il y a que Sateco qui font de la passerelle monolithique de 1,20 m d'encombrement. 1,20 m nous a permis de passer entre les voiles extérieures et les parois rocheuses. Le suivi du matériel et de la technique ont été réalisés par le biais de Sateco et des intervenants de leur société. L'assistance Sateco a permis une facilité d'exécution avec un service de maintenance et d'explication de montage. Ça donne un plus quand même. Très satisfait de l'assistance que peut apporter Sateco sur les demandes du chantier. On a la documentation qui est très bien faite. Si vraiment on était ennuyé, il y a la hotline. Mais on ne s'en est pas servi. On a récupéré sur internet des fichiers 3D des branches Sateco avec lesquelles on travaille donc sur de la modélisation 3D où on calpine les branches et où on peut réaliser tout type de coffrage, calpiner les trous de tige pour éviter les différentes contraintes, etc. Et on peut donc compiler les coffrages spéciaux avec les coffrages Sateco, avec justement des objets 3D déjà modélisés. C'est très pratique d'utiliser les branches Sateco, elles sont très pratiques de mise en place. Sur le terrain, on n'a que des retours positifs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un bon partenariat et une continuité pour l'avenir.